La France rend un hommage populaire à son idole ce samedi 9 décembre. La France dit au revoir à Johnny Hallyday, mort à 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Un hommage populaire est organisé à Paris, et des milliers de fans sont venus des quatre coins du pays pour y assister. La dépouille de l'artiste, transférée au funérarium du Mont-Valérien depuis Marne-la-Coquette, où le chanteur est décédé, est saluée par la foule. Comme c'était prévu, le cercueil de Johnny Hallyday, escorté par 700 biquets, a regagné la place de l'Étoile, un peu avant 12h puis l'avenue des Champs-Élysées en direction de l'église de la Madeleine, où une cérémonie religieuse est donnée en présence des proches de l'artiste et de centaines d'invités, dont le président Emmanuel Macron qui doit livrer un discours. Dès la nuit, les fans se sont amassés devant l'entrée de l'église, où une scène a été installée pour que les musiciens de Johnny jouent ses chansons. On a d'ailleurs aussi pu voir au piano Yvan Cassar, collaborateur artistique de longue date du rocker, qui a été sollicité pour jouer l'Ave Maria dans l'église. Un grand écran a également été mis en place pour suivre ce qui se passe dans l'édifice, sur les Champs-Élysées. Des milliers de fans se sont positionnés des deux côtés de l'avenue pour voir descendre le cercueil de leur idole. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour couvrir cet événement, puisque pas moins de 1500 policiers et gendarmes ont été sollicités. En outre, les stations de métro Concorde et Madeleine ont été fermées. Sur la plus belle avenue du monde, le cercueil blanc, visible à travers les vitres du corbillard, a descendu l'avenue avec le cortège de berlines dans lequel se trouve Laetitia Hallyday. Dans d'autres voitures, on a vu des proches du chanteur, comme par exemple Jean Renaud, Lynn Renaud, sa marraine dans le métier, Muriel Robin et sa compagne Anne Lenant, Jean Dujardin et sa chérie Nathalie Péchala, Claude Lelouch, Jean Imbert ou encore Marion Cotillard, Danny Baume. Dans le même temps, les musiciens accompagnent le cortège au son des tubes du rocker, Je te promets, quelque chose de Tennessee, Marie, Gabriel, Ma gueule.